suis altiste dans l'orchestre depuis 2013 et je joue de l'alto depuis que j'ai 12 ans. Donc, l'alto fait partie de la famille des cordes frottées comme le violon, le violoncelle et à contrebasse. Alors c'est sûrement le moins connu de la famille parce qu'il est entre les deux stars que sont le violon et le violoncelle. Mais bon, c'est le même principe, ce sont des cordes sur une caisse de résonance qui sont frottées par un archet. Voilà, il est dans le registre médium, donc il est au milieu entre les aigus et les graves. Dans l'orchestre, l'alto est donc dans les cordes, donc au devant de l'orchestre. Il est sur la droite, dans l'orchestre de Mâcon. Avant le 19e siècle, c'est vrai que l'alto était plus un instrument d'accompagnement, harmonique, rythmique, qui mettait en valeur les autres instruments. Et petit à petit, les compositeurs se sont rendus compte qu'il avait un son particulier, et ils l'ont mis de plus en plus en valeur. Voilà, donc il peut très bien jouer le rôle de soliste, d'avoir une mélodie dans l'orchestre, ou un contre-champ, ou étoffer les basses, voilà, en gardant toujours aussi ce rôle d'accompagnement et de mise en valeur des autres instruments. Moi, ce qui me plaît dans l'alto, ben déjà, c'est son timbre que je trouve chaleureux, doux et proche du chant féminin. Enfin, ça me touche particulièrement. J'aime chercher la matière du son sur ces cordes un peu plus épaisses que sur le violon. Et dans l'orchestre, ben, ce qui me plaît, ben, c'est justement le fait qu'on soit au centre de la tessiture entre les aigus et les graves, qui fait que ben, on a un point de vue particulier, on a une écoute particulière, on entend tout. C'est notamment peut-être pour ça que beaucoup de compositeurs qui jouaient de la musique de chambre ou de l'orchestre, comme Bach, Mozart, Schubert, Beethoven ou même Britten, jouaient la partie d'alto, enfin, parce que du coup, ils devaient apprécier d'être au centre. Puis ce qui me plaît aussi, c'est que ben, les altistes, on a la réputation d'avoir pas mal d'auto-dérision et qu'au sein du pupitre, ben, c'est plutôt sympathique l'ambiance. Donc l'alto, vous pouvez le découvrir au conservatoire Edgar Varèse, où il est enseigné, et venir essayer si du coup vous aimez sa sonorité.